Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc une implémentation du protocole d'Unitor en Rust, un projet en tout cas qui n'est pas terminé, qui est en cours. Voilà, donc la présentation est sur Internet à l'adresse indiquée en bas, librelois.fr/durs-rml11, durs étant le diminutif de d'Unitor Rust, tout simplement. Alors avant de parler du... Alors, petit problème de clic pour passer la diapo. Excusez-moi, voilà. Alors avant de parler du projet, on va parler du langage. Le Rust, c'est quoi? Voilà, quand même, c'est la première chose. Donc c'est fondé par la fondation Mozilla. Et donc ça a été un langage, c'est un langage récent. La 1.0 est sortie en 2015. Et c'est issu de 9 ans de travail. Donc c'est quand même assez réfléchi. C'est un langage compilé et multiparadigme, donc il croise plusieurs technologies, l'impératif, l'objet, le fonctionnel, le concurrent. Surtout le concurrentiel, c'est un point clé du langage, puisqu'il garantit qu'il n'y a pas de data race, on va y revenir après. Donc comme je disais, c'est inspiré des recherches récentes en théorie des langages. Et donc il a trois objectifs précis, le langage Rust. C'est d'abord en fait la concurrence, j'aurais dû mettre ça en premier, la sécurité et la rapidité. Mais c'est la sécurité d'abord, la rapidité après, en fait, au niveau des priorités. Donc, Rust, on va voir, bon, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages d'abord. On a une garantie de la sûreté de la mémoire, pas de fuite mémoire, à condition d'utiliser que du code safe. C'est-à-dire, Rust autorise aussi ce qu'on appelle du code unsafe, qui n'a pas ces garanties, mais qui permet de coder plus facilement certaines choses. Mais c'est juste dans certains cas qu'on l'utilise. On a la garantie de la sûreté entre threads, c'est-à-dire pas de data race. Et ça, c'est le point fondamental en fait du projet au départ. La raison pour laquelle Mozilla a développé ce langage, c'était pour paralléliser massivement Firefox. Firefox était monocœur en fait pendant longtemps. Et donc il voulait faire ça proprement. Et ce qui s'est passé donc, c'est que le Chrome devenait plus rapide que Firefox, et donc Firefox perdait des parts de marché massivement. Et donc ils se sont demandé, bah, les développeurs de Mozilla, mais comment ça se fait qu'on devient lent et que Chrome devient plus rapide? Et ils ont compris qu'en fait les développeurs de Chrome, ils ont tout de suite parié sur la parallélisation dès le début de leur navigateur. C'est pour ça qu'il était très rapide tout de suite, parce que les matériels aujourd'hui sont de plus en plus multicœurs. Et donc vers 2008, ils commençaient à perdre des parts de marché. Firefox se sont dit, ça va pas, il faut qu'on parallélise Firefox. Et il s'avérait qu'il y avait un type chez Mozilla. Qui avait développé un petit projet de langage pour un petit projet spécifique, hein, rien de très important, mais il avait commencé à créer un langage qui garantissait pas de data race. Bon, ils se sont dit, tiens, ça c'est intéressant, on va reprendre son projet et puis on va le développer vraiment massivement au sein de la fondation Mozilla dans le but de l'implémenter dans Firefox. Donc c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont voulu aller un peu plus loin. Et donc Rust, il a vraiment trois principes phares qu'il faut vraiment retenir, qui sont vraiment donc pas de data race, pas de memory leaks, et surtout une abstraction sans coût. Ça, c'est très important. C'est un langage où tout se fait à la compilation. On le verra après lors de l'atelier. C'est un langage, en gros, la force de Rust, c'est son compilateur. C'est un compilateur vraiment très intelligent. Et du coup, on peut faire beaucoup d'abstractions, utiliser des types qui en encapsulent d'autres pour simplifier le code, et tout ça sans coût à la performance. Ce qui fait qu'il est ultra rapide. Il y a une deuxième raison pour laquelle il est ultra rapide, c'est que le compilateur Rust fait énormément d'optimisation de code, en fait. Beaucoup plus que la plupart des autres compilateurs. En contrepartie, on a une compilation beaucoup plus longue. Là, par exemple, pour compiler d'Unitor RS en ce que j'appelle en mode release, je vous expliquerai ce que c'est après, ça met environ 15 minutes. Alors que le projet n'est pas encore complet. Mais par contre, derrière, c'est rapide. Ensuite, Rust, il a d'autres avantages, notamment l'inférence de type. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de déclarer le type de vos variables. Le compilateur va deviner quel est son type au moment où vous utilisez la variable. Et si c'est ambigu, de toute façon, vous avez une erreur de compilation, il vous dit là, il faut préciser le type. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Si le type est déterministe, il le trouve tout seul. Et s'il y a plusieurs types possibles, il vous dit, il faut choisir. Ensuite, ce n'est pas un langage objet, mais il s'inspire de l'orienté objet avec la notion de trait. Alors les traits, ça ressemble aux interfaces, mais en plus puissant. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une interface, mais en gros, n'importe quelle variable peut implémenter des traits, et en fait, en Rust, tout est trait.
N'importe quelle opération sur une variable, c'est un trait, même une addition, c'est le trait qu'on appelle add. Voilà. Et donc tous les types qui implémentent le trait add peuvent s'additionner, finalement. Et tous tes traits, même le trait display, un type qui peut s'afficher en console pour un programme en ligne de commande, il implémente le trait display. Donc tous tes traits en Rust, vraiment. Et ça, on va voir que c'est très pratique. Enfin, Rust a un avantage par rapport au C++ et aux autres langages compilés, c'est qu'il est beaucoup plus expressif, grâce au pattern matching, aux itérateurs, il y a d'autres features aussi. À titre d'exemple, en Firefox, donc, ils avaient, pour Firefox Quantum, ils ont recodé une grosse partie de Firefox qui était en C++ en Rust. Et donc, ils ont recodé 160 000 lignes de C++. In fine, avec la nouvelle version Firefox Quantum, ça faisait plus que 80 000 lignes en Rust. Donc, on économise quand même la moitié des lignes pour un résultat identique. Ensuite, Rust est considéré comme l'un des potentiels successeurs du C++, avec D et Go dans une moindre mesure. D qui n'est pas très connu, qui avait été créé justement pour être le successeur du C++, mais qui est peu utilisé. Et Go qui est beaucoup utilisé par contre, mais il y a un runtime. Donc c'est pas un successeur sérieux, on va dire, parce qu'il y a un runtime. Les inconvénients, il y en a aussi. C'est plus long à coder, pour plusieurs raisons. À cause de ce qu'on appelle le borrow checker, notamment. Le borrow checker, en gros, c'est une partie du compilateur qui va s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de fuite mémoire. Grâce à un système de. En fait, en Rust, toutes les variables ont un propriétaire. Et quand vous passez une variable à une fonction, la fonction prend la propriété de la variable. Il ne peut pas y avoir deux propriétaires en même temps sur une variable. Et c'est ça qui permet de garantir qu'il n'y a pas de fuite mémoire. Mais ça, du coup, ça oblige à coder d'une autre façon. Donc, au début, en tout cas. Moi, ça fait 6 mois que je fais du Rust, et pour l'instant, je trouve que c'est plus long à coder que d'autres langages. Peut-être qu'au bout de quelques années, ce sera aussi rapide, mais voilà, je vous le dis, c'est un peu plus long. Mais moins de temps à débugger, je trouve. Ça, c'est mon expérience, en tout cas. Autre inconvénient, c'est un langage complexe à apprendre, le Rust. Vous le verrez lors de l'atelier, on va voir quelques notions. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de concepts. C'est vrai que le Rust Book est assez gros, parce qu'il y a beaucoup de concepts propres à ce langage, il y a beaucoup de paradigmes, et donc il est compliqué à apprendre. Enfin, troisième inconvénient, ce n'en est pas un pour tout le monde, mais la compilation étant longue, si vous avez un PC assez modeste, eh ben, vous allez attendre plusieurs minutes chaque fois que vous voulez tester une nouvelle ligne. C'est chiant. Bon, moi, sur mon feed, ça me met environ 20 secondes, 30 secondes pour refaire une compilation, parce qu'il est assez puissant. Mais voilà, si vous avez un PC modeste, c'est un peu chiant. Voilà. Je dirais que c'est les trois inconvénients que je retiens pour l'instant. Il y en a un quatrième, mais qui n'est pas un vrai inconvénient, parce qu'il est lié seulement au fait que le Rust est récent. Donc, il sera réglé avec le temps. Comme la V1.0 est sortie il y a seulement 3 ans, il manque, en fait, ça veut dire manque des libres, il manque des bibliothèques. En fait, il n'y a pas tout au niveau de l'écosystème bibliothèque, on n'a que 3 ans. Et celles qui sont déjà existantes, il y en a beaucoup qui sont encore expérimentales. Voilà. Mais ça, c'est juste une question de temps. Voilà. C'est avec le temps, ça va se fournir. Et Rust, ce n'est pas que pour le bac. C'est-à-dire que Rust, c'est aussi pour le front. Pour ceux qui ne connaissent pas WebAssembly, WebAssembly, donc c'est une nouvelle norme, c'est un nouveau standard web qui est sorti il y a quelques années déjà. C'est un bytecode en fait qui peut être interprété par n'importe quel navigateur, Firefox, Chrome, etc. Et en fait, le navigateur aujourd'hui, il va exécuter ce bytecode directement en fait dans une sandbox, c'est une sorte de petit conteneur assez léger, et ça permet en fait d'avoir une application native dans le navigateur. Donc très rapide. Et notamment, il y a un projet d'aller plus loin, parce qu'il y a donc il y a un compilateur du Rust vers le WebAssembly depuis le 21 décembre 2017. Il faut savoir qu'avant WebAssembly, bah, il fallait écrire en C ou en C++. Va demander à un des fronts d'écrire en C ou en C++. Bonjour. Donc voilà, là on peut faire du front en Rust grâce à ce compilateur depuis peu. Et il y a un projet d'intégrer Webpack et NPM directement à Rust, pour avoir une intégration beaucoup plus facile. Et il y a vraiment un projet aussi de simplifier le langage, puisque comme j'ai dit, il est compliqué. C'est un langage évolutif aussi, Rust, on en est à la 1.26 au niveau de la stable. Et il y a vraiment des nouvelles RFC en ce moment pour simplifier le langage. Mais comme faire simple, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc, avec ça, avec WebAssembly, on peut faire des jeux en temps réel dans le navigateur, et donc on peut les faire en Rust. Et là, vous avez un lien cliquable d'un exemple. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez cliquer. Il y a un petit jeu de démo qui est fait, qui a été codé en Rust.
et qui marche dans votre navigateur. Voilà, donc je ne vais pas vous le montrer là, mais vous pouvez cliquer, c'est un petit jeu où voilà, on tire sur des méchants, machin. Donc voilà, une démonstration, quoi. Donc voilà pour le langage. Maintenant, on va parler du projet d'Unitel Rust. Alors pourquoi d'Unitel Rust? Bah déjà pour le plaisir de le faire. Déjà parce que j'ai envie de le faire, sinon je ne le ferais pas. On est quand même majoritairement bénévole. Bon, on est rémunéré 100 junes par mois, mais bon, 100 junes par mois, c'est symbolique, hein. Donc déjà, si ça ne me ferait pas plaisir, je ne le ferais pas. Premier point. Ensuite, deuxième point, de mon point de vue, en tout cas, pour apporter une sécurité par la diversité. Ben oui, parce que sur un réseau, pourquoi Internet ne tombe pas? Parce qu'il est résilient, mais il est résilient pourquoi? Grâce à sa diversité. Si sur un réseau informatique, vous avez tous les ordinateurs qui ont le même système d'exploitation, avec la même version, les mêmes services, donc les mêmes bugs, donc les mêmes failles, vous trouvez la faille, vous faites tomber Internet. Donc ce qui protège Internet, c'est la diversité. Et ben moi, j'aimerais bien que pour la June, on fasse pareil. Aujourd'hui, on a une seule implémentation. Ben, si demain, on en a deux, ben, c'est peu probable que les deux tombent en même temps. Beaucoup moins probable qu'une seule est un problème. Et donc, ça permettrait une haute dispo, puisque si on a un bug critique, ben, sur la June, c'est arrivé deux fois déjà. On a eu quand même, je crois, 6 heures et 12 heures de coupure de la June. Alors aujourd'hui, c'est pas gênant, parce que même 12 heures de coupure, sauf pendant les RML, l'activité sur la June est faible. Il y a quelques transactions par jour. Mais imaginez que, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, vous avez plusieurs transactions par minute, voire plusieurs transactions par seconde, 12 heures de coupure, on ne pourra pas. Donc même si on fait ce qu'on peut pour améliorer la qualité du code, etc., tout code informatique est nécessairement imparfait parce que, ne serait-ce que parce que le développeur qui le code est imparfait. Donc, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des bugs critiques à un moment. Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir deux implémentations, ou plus encore, mais deux, c'est déjà bien. Et on sait que bah, les probabilités que les deux aient un bug critique en même temps sont peu probables. Donc on sait que l'autre peut prendre le relais pendant qu'il y en a une qui a un problème. Enfin aussi, alors on l'aurait peut-être fait même avec une seule implémentation, mais le fait d'en avoir deux, ça va nous obliger bah, à nous mettre d'accord sur les spécifications à implémenter. Donc on va devoir les spécifier de manière précise avant, et on va s'en rendre compte bah, quand on implémente, comme on implémente d'une façon différente. Quand il y a une seule implémentation, bah, on se dit, bah, voilà, je fais mon code comme les specs, et puis bah, des fois on se rend compte que bah, le code ne fait pas tout à fait exactement ce que le protocole a prévu. Bah, s'il y a deux implémentations, il y en a un qui va se rendre compte, qui va dire « Ah tiens, là, la mienne, elle ne fait pas la même que la tienne, il y a un comportement différent, c'est qu'on s'est planté quelque part. » Et donc, ça peut permettre de détecter plus de bugs en amont lorsqu'on change le protocole. Voilà, deux points de vue réduit drastiquement les oublis. Donc ça, c'est le pourquoi. Alors le pourquoi, j'avais d'autres raisons aussi. Voilà, les contributeurs, on a beaucoup de gens qui ont des profils différents. Bah, y en a qui aiment le Node, parce qu'ils connaissent. Et puis, il y en a qui arrivent, ils connaissent pas le Node, et puis ils n'aiment pas les langages interprétés, ils préfèrent les langages compilés. Chacun a son profil. Donc, bah, ça peut toucher plus de contributeurs différents. Et enfin, dans le pourquoi, il y a quand même d'autres raisons qui m'ont incité à le faire. C'est les avantages du Rust. Notamment sa fiabilité, puisqu'il n'y a pas de Memoilis ni de Database, à condition d'avoir uniquement du code safe, ce qui est le cas pour l'instant. Et aussi, il y a un autre avantage, Rust, comme c'est très léger, ça pourrait nous permettre de faire tourner d'Unitel Rust sur des nano PC, peut-être même sur des Raspi Zero. J'aimerais bien essayer. Je pense que ça peut marcher. Donc, d'Unitel RS actuellement, où ça en est? Alors, j'ai commencé il y a 3 mois. Donc, pour l'instant, il y a exactement 13 432 lignes de code, dont 3000 écrites par Nanocrit il y a 6 mois de ça. J'ai repris le projet il y a 4 mois, j'ai fait environ 10 000 lignes de code. Donc c'est 200 heures de travail sur 4 mois de moi. Le temps de travail de Nanocrit, je ne sais pas c'est combien, je ne vais pas demander. Donc voilà, j'ai pas mis. C'est 12 crates. Alors les crates en Rust, tout est crate en fait. Donc une crate, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un binaire, ça peut être un module, tout est crate. Et donc on a 8 bibliothèques en fait, 3 bibliothèques qui sont en fait des modules, plus... la crate d'enrobage, on va dire, qui contient le nœud. Et donc, pour l'instant, où est-ce que j'en suis? Ben, j'ai un nœud miroir qui reste plus ou moins synchronisé sur le réseau. En fait, ça, c'est l'objectif que je m'étais fixé pour les RML 11. Évidemment, je n'y suis pas arrivé. Il me manque juste le rolling back, le rollback. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de fork sur le réseau, le nœud reste synchronisé. Mais par contre, s'il y a un fork et que mon nœud est sur la mauvaise branche, il ne rollback pas. Ça, je ne l'ai pas encore codé, je n'ai pas eu le temps. Donc, au rollback près, il reste synchronisé. Donc, j'ai une base de données indexée sur la botchain. Alors je suis parti sur du SQLite pour l'instant, mais dès le départ j'ai vu que c'était lent et je voulais changer. Mais bon, je voulais avoir une première version
je voulais commencer avec quelque chose, donc je suis parti sur du SQLite pour l'instant. Je prévois de changer. Pour l'instant, j'ai WS2P privé, c'est-à-dire que bah, j'arrive à requêter le réseau et à obtenir des infos du réseau via WS2P. Et j'ai une interface graphique dans le terminal. Voilà. Alors ça, c'est l'arbre des dépendances. Alors c'est mieux que vous l'ayez sur votre ordinateur. C'est l'arbre qui représente les 12 crates actuels. Il faudrait qu'on puisse zoomer en fait, parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Non, ça semble pas possible de zoomer, tant pis. Donc vous avez en fait, si vous êtes sur votre ordinateur, vous voyez, il y a un carré bibliothèque, libraries, et vous avez les niveaux de dépendance. Et donc vous avez en fait en premier tout ce qui est what et crypto, c'est-à-dire les fonctions de cryptographie pour les trousseaux de clés. La dépendance en dessous, c'est la crate qui gère le format des documents, donc il va s'assurer de vérifier les hash, les signatures, comment générer les documents, etc., les parser, etc. La crate encore en dessous, c'est la crate qui gère le système de modules. J'en parlerai après du système de modules. Donc c'est elle qui permet de, en fait, d'unité host et modulaire, c'est un système de modules en fait qui communiquent entre eux. Et donc c'est tout parallélisé. C'est-à-dire chaque module a son propre thread. Donc par exemple, il y a le module WS2P qui s'occupe de la couche réseau, qui a son propre thread. Il y a le module blockchain qui s'occupe de gérer les données de la blockchain, qui a son propre thread. Le module d'interface graphique, etc. Et ensuite, vous avez, là, il y a des surcouches, network, etc., qui définissent les événements possibles pour la communication entre modules. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on verra plus ça en détail pendant l'atelier. Et puis vous avez après, vous avez les modules en soi, donc il y a le module WS2P, le module TUI, donc c'est l'interface graphique dans le terminal. Et vous avez la crate core qui englobe tout le nœud. Et je vous montrerai le main après parce qu'il est très simple en fait. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Alors, du nettoyage actuellement. Donc, être visible sur le réseau. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas vu à des moments. Tu peux parler vers la salle parce que d'abord c'est mieux pour les auditeurs. Oui. Et c'est mieux un tout petit peu pour le micro aussi, vu que tu as sur Voilà. l'écran. Tu peux Alors, regarder les pour ceux qui interlocuteurs. ont. Peut-être personne n'a fait attention, mais donc il y a un head sur le réseau, vous voyez, DURS 0.1.0, qui se propage. Alors comme c'est un nœud miroir, il se propage que en step 2. Parce que c'est comme ça que ça a été codé WS2P. Mais si je le passais en nœud membre, là on le verrait sur tout le réseau. Et donc une interface graphique, donc là vous voyez pas grand-chose, il faudra le lancer pour voir. Mais en gros, ça affiche les connexions WS2P et la liste des heads de tout le réseau. Voilà. Donc à court terme, mes priorités à court terme, pour l'avenir. Alors d'abord, j'aimerais changer le système de base de données pour du concurrent, parce que SQLite n'est pas concurrent. Or, Rust est un langage fait pour être concurrent, c'est-à-dire parallélisable. Donc j'aimerais changer par un système de données qui soit parallélisable, c'est-à-dire où on puisse lire et écrire avec plusieurs threads en même temps. Il y a plusieurs projets qui m'intéressent, je suis en train de regarder, j'ai pas fait mon choix encore. Ensuite, j'aimerais finir d'implémenter le protocole blockchain. Pour l'instant, au niveau protocole, j'ai implémenté tous les événements de la toile de confiance. Je n'ai pas implémenté la partie transaction. Pas encore. Une fois que j'aurai fait ça, ma priorité, ça va être de développer une API pour June Monit, qui s'appellera DASA, c'est-à-dire Dunitor Advanced Statistic API, qui sera en GraphQL. Et donc, WS2P V2 aussi, pourquoi? Parce que pour l'instant, comme je n'ai pas codé BMA dans Dunitor Host, eh ben, il n'y a pas de synchronisation. Je me synchronise en fait en prenant des tunes par paquet de 50 via WS2P, mais c'est très lent en fait. C'est le temps que. Si vous avez remarqué, quand vous relancez un nœud d'uniteur, par exemple en TypeScript, qui a été arrêté pendant quelques heures ou quelques jours, vous voyez qu'il remonte tout seul la chaîne lentement. Eh ben, c'est ça que fait Dunitor Host en fait. Il remonte la chaîne lentement via WS2P. Mais comme il n'y a pas de mécanisme de synchronisation dans WS2P, ben, c'est lent. Et donc j'avais pour projet déjà de créer un mécanisme de synchronisation dans WS2P. Et donc, ça sera l'occasion de l'intégrer pour avoir la synchronisation d'un rust. La synchro, elle passe par BMA aujourd'hui. Et comme BMA est défini obsolète et qu'on va le supprimer un jour. Oui, dans l'uniteur TS, c'est que les nœuds qui ont BMA qui permettent de faire la synchro, du coup. Là, on va définir les specs, mais pareil, les specs, ça sera tu définis un nœud de référence et je proposerai des specs. Je pense que ce sera le nœud de référence et donner un bloodstorm cible.
Et à partir de ça, tu peux aller chercher des tunes n'importe où dans le réseau. Tant que ça pointe vers le même blockchain cible, c'est que bah, tu as bien la bonne référence. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je proposerai une première release de prod. Alors, je ne sais pas si à Bordeaux ce sera fini, j'espère, mais 6 mois pour faire tout ça, déjà, c'est pas mal. Et donc, quand j'en serai là, déjà, j'aurai une première release qui me permettra d'avoir un jeu de monnaie de V2, au moins au niveau du bac. Il restera le front à faire. Si des gens veulent faire le front avec l'API. D'ailleurs, on peut définir ensemble les specs de l'API, s'il y en a qui veulent faire le front et qui veulent pouvoir l'utiliser de telle ou telle manière. Je proposerai une RFC sur le GitLab. Donc ça, c'est à court terme, disons à 6 mois. Ensuite, en parallèle de ça, comme le protocole d'Unitor il va évoluer, eh ben, je vais essayer de l'implémenter en parallèle, on va dire, avec un léger retard. Mais bon, ça, c'est déjà plus à moyen terme. Ensuite, donc à moyen terme, il y a plusieurs modules que j'aimerais développer. Donc le module pool pour les piscines, puisque je gère pas les piscines pour l'instant. Ce qui me permettra d'ajouter la page WillMembers à mon API pour Jumonit. Donc la première version de Jumonit V2, il n'y aura pas WillMembers, puisque je n'aurai pas les piscines. Ce sera pour la deuxième version. Et donc pareil, stabilisation de la release. Et ensuite, à moyen terme, j'aimerais bien passer à la génération des blocs, à la preuve de travail. Et puis au développement de la nouvelle API client. GVA, je crois, GraphQL Verification API, que Inso a proposé. Comme je ne vais pas coder BMA, bah je coderai directement en fait la nouvelle API client, dont les spécifications sont encore en cours de discussion. Et plus sur une interface graphique GUI, ou pas, sauf si quelqu'un d'autre la code, mais voilà. Ça, c'est. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, bah, on lancera une monnaie de test d'Unity Relationally pour voir si ça marche ou pas. Voilà, c'est. Pour tester un peu le logiciel. Et une fois qu'on aura fait tout ça, si ça marche jusque-là, alors là, on pourra envisager une mise en prod en parallèle de l'Unitor TS. Mais tant qu'on n'en est pas là, on ne peut pas envisager ça. Si je reste seul sur le projet, je pense qu'il me reste environ 18 mois de travail. Je pense que ça peut être prêt pour début 2020. Après, s'il y a d'autres contributeurs qui viennent, ça peut aller plus vite. Donc voilà pour la présentation. Et maintenant, voilà, je propose pour ceux qui veulent bah, d'installer Rust et puis de cloner le dépôt. On va voir ça tous ensemble. Et puis de voir un peu les. Alors, ce qu'on peut faire tous ensemble déjà, c'est juste cloner le dépôt et voir les bases, comment est fait un peu le projet. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, on pourra rentrer dans le code après. Voilà. Donc, déjà, pour ceux qui veulent, il suffit d'avoir une connexion Internet. Vous copiez-collez cette ligne et ça va vous installer la toolchain Rust, tout simplement. Donc ça, c'est assez facile à installer. Et après, vous devez ajouter cette ligne-là dans votre point bashrc, si vous utilisez bash, qui va vous permettre en fait de rajouter à votre variable environnement patch le lien vers un binaire qui s'appelle vers tous les binaires de cargo. Alors cargo, c'est un couteau suisse en fait qui permet de compiler, de télécharger les dépendances, de faire plein de choses en fait, c'est indispensable. Alors ensuite, vous pouvez cloner le dépôt. Donc le dépôt, il est sur le GitLab, vous avez le lien ici. Et puis, une fois que vous avez cloné le dépôt, et ben, vous pouvez compiler dès à présent l'Unitor Rust. Et donc pour le compiler, comme je le dis sur le tutoriel que j'ai posté sur le forum, vous aurez besoin de deux dépendances, package-config et libsslDev. Alors ces deux dépendances-là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de. C'est uniquement pour pouvoir contacter les nœuds WS2P qui sont derrière une couche TLS. Du HTTPS, quoi. Voilà, parce que j'utilise une crate qui, pour le HTTPS, a une dépendance C. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, à l'avenir, je pense nettoyer ça. Mais voilà, il faut encore que la crate évolue. La crate que j'utilise, elle est récente. Bon. Je pense que d'ici 1 an et demi, ça sera réglé, ça. Et ensuite, comme je l'ai pas expliqué au début, mais en fait, comme Rust est très long à compiler, il a deux façons de compiler. Il y a la compilation en mode debug, par défaut. Si vous faites cargo build tout seul, ça va compiler en mode debug. Et la compilation en mode release. Alors c'est quoi la différence? C'est qu'en mode release, il fait plein d'optimisations de code. Et ces optimisations de code, elles sont très longues à faire. Donc quand je compile en mode release, ça me prend environ 15-20 minutes selon la puissance du PC. Quand je compile en mode debug, c'est 5 minutes. Donc déjà, c'est beaucoup plus rapide. En mode debug, donc vous n'avez pas le gain de performance, mais ça vous permet de tester votre code. Quand vous modifiez une ligne de code et que vous voulez retester, vous n'allez pas tout compiler en mode release. Voilà, donc par défaut, c'est mode debug. Voilà. Donc vous pouvez le faire, mais c'est long, ça va vous prendre 15-20 minutes. Hein. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Et puis bah, s'il y a des questions,
Alors la source de cette présentation, elle est sur le GitLab. Voilà, donc c'est une présentation open source faite avec Rivial.js, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Voilà, bravo, je Louis. Vous remercie de votre attention. Des questions? Moi, j'ai une question par rapport à la concurrence sur la base de données. C'est quoi l'intérêt? En fait, l'intérêt, c'est que c'est l'état d'esprit du langage. Le langage Rust, il a été pensé pour être parallélisé. Il est fait pour ça, puisqu'il est garanti pas de data rest. Donc, avoir un langage qui est fait pour être parallélisé massivement et avoir une base de données où tu peux avoir un seul thread qui l'utilise, c'est idiot, en fait. C'est pas dans l'esprit du langage. Mais, du coup, au stade où t'en es, là, tu utilises la base de données juste pour la Non, pour beaucoup plus que ça. J'indexe la blockchain et je l'utilise aussi pour créer les index. J'ai des tables d'index pour la WOT, c'est un peu comme du Unit RTS en fait. J'ai des tables d'index pour les identités, les certifications, j'en aurai pour les sources après, etc. Et donc pour l'instant, je suis parti sur SQLite pour faire simple, mais comme c'est monothread, c'est pas dans l'esprit quoi. Oui. Alors, il demande le modèle objet qui n'est pas implémenté dans Rust et qui a ses équivalences. Oui, en fait, Rust s'inspire beaucoup de l'orienté objet et en fait, dans la pratique, tu as l'impression de faire de l'orienté objet des fois quand tu codes. Parce qu'il implémente des traits et en fait, bah, généralement, quand tu as ta variable, ça peut être un type très complexe. Ça peut être une structure qui implémente des traits et donc cette structure, elle peut avoir des méthodes via les traits. Et donc finalement, tu prends objet.maméthode et donc tu as l'impression de faire de l'orienté objet un petit peu. Et après, il n'y a pas d'héritage, mais tu peux forcer certains traits à en implémenter d'autres. Par exemple, tu peux définir un trait identité membre qui doit implémenter le trait identité. Voilà. Et donc, en fait, c'est assez puissant. Et bon, il faudrait rentrer dans les détails, mais c'est pas juste des interfaces, ça va bien plus loin. Est-ce que tu as des propriétés sur tes méthodes et tes propriétés, enfin, sur l'équivalent en Alors, tu as un niveau de... Alors, en fait, en Rust, tu as un système de modules. Dans ta crête, tu peux faire différents modules. Et donc, tu peux définir si tes fonctions sont publiques ou privées dans le module. Effectivement. Tu n'as pas de niveau protected, puisqu'il n'y a pas d'héritage. Mais tu as le mot-clé pub à mettre si tu veux que ta fonction soit utilisable en dehors du module. Et sinon, elle est utilisable que dedans. Donc, il y a quand même de l'encapsulation. En fait, on n'en a pas besoin d'héritage. Parce que... c'est fait d'une façon en fait où l'héritage n'est pas utile. On utilise plutôt un système de contraintes en fait. On a des types génériques et on dit bah voilà ma fonction, elle sait pas quel type elle prend, mais elle prend un objet qui va implémenter tel trait et tel trait. Tu peux additionner et en plus les traits peuvent être génériques, c'est-à-dire que tu peux dire au lieu de dire un trait identité, par exemple j'ai un trait clé publique et je peux dire si c'est une clé publique de tel algo ou tel autre algo. Ça va assez loin. C'est ça. Donc c'est beaucoup plus puissant qu'une simple interface. Tu peux faire des types génériques sur les traits, en fait. Tu peux dire un trait qui dépend d'un type T, et puis en fonction du type T, tu auras des comportements différents. Pour l'écosystème qui est autour de Rust, tu disais tout à l'heure en fait que l'hybride était pour l'instant assez pauvre. Enfin, assez pauvre, il y a quand même beaucoup de choses déjà. En fait, il faut que tu ailles voir sur crates.io, donc crates.io. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de crates, qu'on appelle en fait des bibliothèques. Donc, tu en as déjà plein sur plein de choses. Après, voilà, le langage n'a que 3 ans. Moi, je me suis juste rendu compte que des fois, bah, il y a des trucs qui étaient encore récents ou qui n'existaient pas encore. Après, il y a quand même déjà beaucoup de choses. Hein. Après, je ne saurais pas te dire, faut que tu ailles voir en fait sur crates.io s'il existe que tu cherches ou pas. Alors Rust n'a pas son propre environnement de développement. Il y a plusieurs environnements de développement qui implémentent des plugins pour Rust. J'ai notamment Eclipse pour ceux qui viennent de Java. Et tu as VS Code pour tout le monde qui implémente assez bien Rust, vraiment. C'est ce qu'on va utiliser dans l'atelier là. C'est assez bien fait. Enfin,
Y a pas, je ressens pas le besoin pour l'instant qu'on ait notre propre IDE pour le langage, quoi, parce que vraiment, t'as pas que Eclipse et VS Code, on a d'autres aussi qui l'implémentent déjà par des plugins. Bien sûr. Tu peux le forcer manuellement, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à l'atelier. Alors, je ne sais pas qui veut participer à l'atelier. On peut enregistrer le début de l'atelier, mais quoi que non, parce que de toute façon, je ne vais pas. Bon, comme tu veux. Bon, bah, tu donnes l'adresse. De toute façon, il y a l'adresse ici, c'est ça? Ouais. C'est ça, c'est l'adresse de l'atelier, c'est ça? Non, non, ça c'est l'adresse du diapo. Alors l'adresse pour cloner le dépôt, donc c'est celle-là. Voilà, là c'est pour cloner le dépôt. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Alors il faut, t'as des slides encore à montrer? Non, 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 c'est bon, j'ai plus de slides. Donc c'est bon? Bravo! Alors. Et on arrête là.